Méditation du 31 juillet. Une mentalité de croissance. Le cerveau est un muscle qui se renforce à l'usage. Citation de Carol Dweck. Carol Dweck a mené une étude intéressante dans Mindset Mentalité, écrit en 2006. Elle a proposé des puzzles à des enfants de 10 à 14 ans, en commençant par des puzzles simples et en leur donnant des puzzles de plus en plus compliqués. L'objectif n'était pas de savoir qui terminerait le premier, mais de connaître les pensées des participants face à des défis apparemment impossibles. Elle a constaté deux attitudes. Premièrement, ceux qui se décourageaient et deuxièmement, ceux qui étaient encore plus déterminés lorsque l'épreuve était difficile. Les personnes du groupe 1 qui n'ont pas réussi à terminer leur puzzle ont déclaré se sentir découragées et en position d'échec. Celles du groupe 2 qui n'ont pas réussi leur puzzle ont déclaré « Ce n'est pas un échec car nous avons appris ». Carol Dweck a appelé ces deux mentalités différentes « mentalité fixe » et « mentalité de croissance ». Les personnes ayant une mentalité fixe pense. J'ai une certaine intelligence et certains talents et cela détermine jusqu'où je peux aller dans la vie. Cette façon de penser, tout en percevant le potentiel, le limite aussi, car elle le mesure selon un critère préétabli. Le sentiment de ne pas atteindre ce critère fait que la personne se considère en échec et cesse de croire en ses possibilités. C'est pourquoi ces personnes fuient les défis qu'elles se sentent incapables de relever, ne voulant pas courir le risque de se sentir en échec. Elles considèrent chaque difficulté comme une évaluation de leur valeur personnelle et chaque échec les amène à remettre en question leur intelligence et leur capacité. « Je ferais mieux de rester dans ma zone de confort », raisonne-t-elle, « pour que personne ne découvre que je n'y arrive pas ». Les personnes ayant une mentalité de croissance pensent « J'ai des caractéristiques que je peux cultiver avec l'expérience et l'apprentissage. Si je travaille dur et que je me concentre, je progresserai ». Elles croient pouvoir avec le temps arriver à comprendre des choses qu'elles ne comprennent pas encore, à améliorer les aspects négatifs de leur personnalité. Elles pensent que sortir de leur zone de confort a une récompense, apprendre. Je vous invite à développer une mentalité de croissance. Si vous pensez être capable de croître et de vous développer, vous n'aurez pas si peur de dire oui lorsqu'on vous demandera par exemple d'être monitrice de l'école du sabbat, de prendre la parole en public ou de diriger un département. Vous prendrez cela comme un défi qui vous permettra d'apprendre en servant. Vous n'avez pas à impressionner qui que ce soit ou à vous prouver quoi que ce soit. Il s'agit de commencer un chemin. Ce qui vous semble impossible maintenant ne doit pas vous décourager. Ce n'est qu'un point de départ. Acceptez-le en faisant confiance à Dieu. Bienvenue à l'école de la vie. Le verset du jour se trouve dans Éphésiens 4, le verset 23, dans la version Bible en français courant. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.